Coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Alors, en toute franchise, je ne pensais mais pas du tout vlogger aujourd'hui, tout simplement parce que ça va pas mieux, je suis toujours oppressée. J'ai appelé le gastro-entérologue ce matin, mais évidemment, je suis tombée sur le répondeur parce qu'il doit être débordé. On m'a indiqué de rappeler en fin de journée, sachant que demain samedi, il ne consulte pas. Il y a de fortes chances que ce soit pour la semaine prochaine, donc je suis hyper oppressée. Du coup, je fais de la tachycardie, j'ai le cœur qui arrête pas de... J'ai comme une boule en fait, une boule tout le temps et des... là, une gêne tout le temps ici. Bref, vous n'êtes pas médecin, mais j'ai décidé quand même de vlogger sur le tard. Hein. C'est pas grave, il fait encore jour, j'en profite. Je dois aller chez ma maman, lui donner le calendrier de l'Avent que j'ai terminé, ça c'est cool. Tiens, là c'est Eric qui arrive. Sinon ce soir, on m'a proposé d'aller manger au resto avec des anciens collègues parce que j'ai un des collègues qui s'en va. Au restaurant chinois, j'étais allée avec Eric la dernière fois. Ça dépendra si je me sens bien ou pas. Après, c'est vrai que ça me ferait plaisir, je pense que ça leur ferait plaisir que je vienne aussi. Je vais voir comment ça va évoluer dans la journée, tout simplement. Changement de programme, décidément il y a des changements de programme tout le temps. Eric est rentré, je lui ai dit que j'avais essayé d'appeler tout ça, qu'il n'était pas là. Il me dit bah t'as qu'à réessayer. Je viendrai essayer, il est 3h30 et je viens d'avoir le secrétariat. Donc un problème informatique. Le docteur me rappelle dans 10 minutes. Je suis pas prête là, en fait. Imagine s'il me dit dans une demi-heure. Oh bon, à la limite, comme ça, j'aurais peut-être moins le temps de psychoter. Bon, bah voilà. Je vais quand même aller chez ma maman. Bon, bah, elle m'a toujours pas rappelé, ça fait une demi-heure. J'ai rajouté, pour un petit peu l'embellir, du ruban. Comme ça, que j'avais pas utilisé. Et j'ai mis à certains endroits des petits stickers tout mignons. Je pense que je vais lui conseiller de le mettre comme ça, sur une porte. Ouais, je crois que c'est mieux. Bon, je vais pas me prendre la tête, je vais faire plusieurs voyages, hein, parce que sinon j'y arriverai pas. Je commence déjà à avoir des messages des collègues qui me demandent de venir ce soir. Bon, oh, c'est joli la lumière, j'ai l'impression. Oh, c'est joli. C'est magnifique son branchage, là. Toc, 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 y a quelqu'un? Ah bah ça fait plaisir. Sympa tes chaussons, maman. Bon. J'ai des trucs. Mais si, ça rend super bien. J'aime bien. Là, tu as tous les petits cadeaux. J'ai mal au rein, quand même. Je te dis que ça se trouve, c'est le nouveau traitement oméprazole, là, que je tolère pas. Mais est-ce que c'est... Non, ce matin, est-ce que c'est la même molécule? Bref, allez. Donc, bah t'as tous les petits cadeaux. Est-ce que tu vas le mettre... en évidence, genre là-bas ou pas? C'est toujours autant orange chez toi, maman? Bah ouais, mais je sais pas. Bah si, c'est le papier, les éclairages jaunes, je pense, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bah elle est contente. Tu es contente, maman? Tu as le droit de parler, hein? D'accord. Donc, bah oui, elle est contente. Non, je suis pas prête. T'es pas prête à quoi? Je suis pas prête à te montrer. À parler. Ah, tu es sauvage. On te voit, on te voit, on te voit plus, on te voit. Bon, bah je sors, hein. Comme vous voyez, il fait nuit. Je suis encore en pleine réflexion, est-ce que j'y vais? Je suis pas en forme, j'ai... Ouais, je vais y aller, de toute façon, au pire, si je suis pas bien, je rentrerai. Bisous, maman! Allez, c'est parti pour... Nettoyage, ça y est, ça commence à... C'est pas gelé, mais bon, hop. J'aime pas rouler comme ça, je vois que dalle. Eh oui, maman, elle est rentrée, mon Jack. Oh oui, t'es content, hein? T'es content? Bon, bah maman, elle a lâché des macarons parce que c'est vrai que je venais, des gâteaux, mais je lui ai dit que le sucre, on va les calmer. Bon, je les ai ramenés parce que je suis pas toute seule hein, à la maison. Oh, en plus, j'adore ça. Bon, j'ai décidé que j'y allais. Il est 5h15 et j'ai rendez-vous à 7h30. Donc, c'est bien. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Ça a l'air super bon. Des petits macarons. Ça a l'air trop bon. Chocolat, vanille, framboise, je pense. Il est bientôt 8h, je vais pas tarder. Un petit pull, je me suis pas changée en fait. C'est un bazar sans nom dans mon bureau. Je suis partie vite. C'est le calendrier de l'Avent en fait. Je vous montre. Oh, bonjour. Bon, demain je rangerai. Ah non, pas ce soir. Hein. En rentrant, je vais me regarder. Vous savez quoi? Attendez, je repasse en mode... Je vais me regarder un autre épisode d'Outlander.
parce qu'hier c'est ce que j'ai fait et ça m'a tenu en haleine. Elle est trop bien cette série, j'adore. Donc je pense que ouais, elle doit durer 40-50 minutes un épisode, donc c'est parfait. Et puis voilà, j'ai hyper faim, comme j'ai quasiment rien mangé. Je tiens, hein, avec le sucre, j'ai mangé, franchement, aucun sucre pas bon, quand je dis pas bon, des gâteaux, des trucs comme ça. J'ai juste mangé des pruneaux et une banane en apport de sucre. Ça va, mais là j'ai la dalle. Vraiment, j'ai très faim. Il faut que j'y aille doucement parce que, ben voilà, faut que je, en fait, faut que je segmente. Segmente, ouais. Fractionne, voilà. Faut que je fractionne mes repas. Faut que j'en fasse plusieurs, même 7 par jour, mais des petits, des petites quantités, et pas 3 gros repas, voilà. Bon, changement de programme, on va se rejoindre tous chez mon ami. On va aller au resto, mais j'ai tellement faim. Ouais, bah moi j'ai pas le droit à ça, tu vois. Mais voilà, 21h27, on n'a pas encore été. On va aller manger. Mais mon chéri, tu attendais maman? Maman, elle est revenue. Je viens de rentrer à l'instant, il est minuit moins le quart. J'ai passé une très bonne soirée. Ça m'a vraiment fait du bien. Mes douleurs aux reins sont parties. Voilà, j'ai pas trop mangé, franchement, j'ai pas fait d'excès. Je sais plus si je vous ai dit concernant mon rendez-vous médical, parce qu'en fait, à 15h30, 16h, la secrétaire devait me rappeler dans 10 minutes. J'attends toujours. Donc, si elle me rappelle pas, j'irai lundi. Hein. Enfin, j'irai voir ailleurs, je veux dire. Il faut absolument que je le fasse, hein, cet examen. Il faut que je sache. Et puis, je ne vous dis pas à demain, parce que demain, pour moi, on est samedi, je ne bloque plus le samedi. Donc, je vous dis à lundi dans un nouveau vlog. Merci de m'avoir regardé. Salut.